Salut tout le monde, c'est Manon et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Frozenia V4. Donc dans cet épisode on va commencer à voir un petit peu ce que j'ai déjà fait parce que le serveur a ouvert dimanche, donc il y a 2 jours. Et donc cette série commencera un peu plus tard justement. Parce que j'ai pas le temps de vraiment faire les vidéos. J'ai déjà les vidéos prêtes pour avant. Donc cette série justement, comme je vous le dis dans l'épisode 4 de Subnautica, va remplacer Subnautica pendant un petit moment. Alors, Underpearl désactivé en... Ok. Et donc on va faire voilà, donc là j'ai rejoint une faction il n'y a pas longtemps. Enfin même aujourd'hui, tout de suite hein. Alors ma faction c'est, alors on va faire slash F info histoire de le savoir. Ah oui c'est vrai, faut que je vais remettre ça. Donc c'est la Natsu, voilà. Qui est que j'ai rejoint. Donc ils sont en train de commencer à faire une base. Là moi de mon côté, bon, ce que j'ai fait depuis l'ouverture, c'est que j'ai récupéré les clés de bot pour qu'on puisse les ouvrir. Et à chaque épisode on fera une petite ouverture de clés de bot. Et puis d'autres clés si jamais j'en récupère, ou voilà, si on achète. Pour commencer bien sûr, je vais vous expliquer déjà si jamais vous démarrez, comment bien démarrer. Vous avez le slash kit. Vous en avez deux disponibles de base. Le kit apprenti qui vous donne un stuff full diams avec protection 1 et avec tout sharpness 1 ou efficacité 1 ou protection 1. Et le kit bouffe qui vous donne un demi stack de steak, voilà. Et donc voilà, donc ça vous donne du protection 1 avec même des trucs de protection 2. Et vous avez aussi de l'obsidienne, du bois, du fer, du diamant, 4 underperles, quelques steaks, enfin bon. Et vous avez, et 5 rubis, je sais plus comment est-ce que je les ai eu, mais j'ai eu 5 rubis à un moment. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va aller au slash warp chance justement pour aller ouvrir ces fameuses clés de vote. Je vais réaliser un live sur l'ouverture de la V4. On était 3, c'était bien, il y avait pas beaucoup de monde, mais bon, du coup ouais, j'ai pas pu faire grand chose. Alors clé random, clé event, clé rare, clé légendaire, clé basique, clé hebdomadaire. Alors la clé hebdomadaire, je sais pas comment est-ce qu'on l'a. Faudrait que je regarde, puis on s'en pourrait les ouvrir. Alors, j'ai eu là un. Vous avez ouvert un kit pillage dessus. Ok, j'ai eu un kit pillage. Et que de la TNT, des bâtons, ah oui. Du bois, je crois. Bon. Des pistons, ah oui, bah oui. Parce que pour piller, du coup, faut faire avec les TNT et les pistons. Ça marche aussi bien, hein, voilà. Ensuite, deuxième truc, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu. Et bah j'ai reçu 32 d'obsidienne. Enfin je pense, alors on va regarder déjà les récompenses. Voilà, j'ai eu obsidienne x32. Explose avec 3 coups de TNT pilleur. Ok. On peut avoir aussi 2 mercure. Ça c'est mercure. Le plus haut niveau de minerai c'est l'ice et ensuite le mercure. Donc l'ice il faut 7 fragments d'ice pour faire un ice. C'est ultra dur à avoir. Et le mercure bah on peut le miner dans le warp ressource. Après le warp ressource, bon, il est reset que les à 9h je crois les matins. Donc là y aller un peu plus tard, c'est raté, y'a rien du tout, c'est vide. Après donc le kit minerai, le kit ingrédient, le kit pillage, le kit explorateur et le kit PVP. Ok, très bien. Bah on va continuer à ouvrir. Alors j'ai reçu les 2 mercure. Ah bah c'est cool ça. Parce qu'il y a 5 de chance. Oh non purée, tout ce que j'ai reçu là, tout le stuff. Vite, faut que je vire tout ça pour récupérer mon stuff. Je vais virer le sable aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui se vire? Ça. Encore des trucs. Oh purée, mais encore des trucs à récupérer. Qu'est-ce que je peux virer encore? Bon, un bateau, je referai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Bah voilà, c'est intéressant. J'ai récupéré un full rubis protection 1. Je sais pas c'est quel kit. C'est le kit PVP. Ah oui, ok. Alors je vais peut-être faire un slash potion. Slash potion qui permet de stacker les potions, hein, bien sûr. Comment ça j'ai pas accès à cette commande?
Déjà, je vais jeter toute mon armure en diable, simple pour mettre mon armure en rubis. Je serai bien mieux comme ça. Cas où, si on joue PVP, voilà. Ce qui risque d'être pas trop fréquent, hein, bien sûr, parce que j'ai disons un niveau de PVP bas. On va réessayer le slash potion. J'ai pas accès à cette commande. Ah mince. Par contre, il va falloir que du coup que j'aille faire une base histoire de poser tout ça. Ici, bon, je vais jeter ici ça, ça. La dirt et le bois, je le garde. Voilà. Et je vais peut-être prendre encore un peu de bois, voilà quoi. Hop, ça. Voilà, du bois encore. Et donc on va aller, donc j'ai... Alors j'ai un home, j'ai trouvé une base. Enfin non, j'ai pas trouvé une base. J'ai trouvé un chunk qui a été claim par une faction. Donc c'est ici, regardez. Là... Non, là je suis toujours dans la faction. Là je suis dans le wilderness, donc là où il n'y a personne. Ensuite j'avance ici. Hop. Je suis dans le claim de la node blood. Voilà. Donc regardez dans le claim, je peux pas casser, voilà. Hein. Je peux pas casser le terrain. Donc j'ai mis un home ici, voilà. Je me suis dit, bon allez, on va voir ce que ça doit donner. Alors ce que je me dis aussi là, c'est que je vais sûrement aller me faire ma base quelque part, voilà, par là. Enfin peut-être pas, ça va être la base, la première base, la base provisoire, mais bon. Petite BP discrète, voilà, que personne ne voit. Je vais cacher juste ici sous l'eau. Je vais essayer de descendre déjà là. Alors au niveau de l'air, ça va. Et hop, il va falloir que je remonte pour pouvoir me mettre un bloc parce que j'ai oublié de me mettre un bloc dans la main. Ce qui est pas très intelligent, mais bon. Alors, un bloc. Ah bah, l'obsidienne, j'aurais pu la mettre dans mon other chest. Comme ça, je peux mettre ça ici et ça ici. Voilà. Bon, le bloc de bois, ça va être juste. Ah bah non, en fait, non. Ça va être le bloc que je vais ramasser que je vais mettre. Alors, où est-ce qu'il est? Et par là, par là. J'étais descendu si profond. Ici non. Mince, je trouve pas là où j'ai fait le trou, mais c'est pas grave. Je vais remonter rapidement avant de mourir. Je suis en train de remonter là. Parce qu'avec ce moustiquaire, j'ai l'habitude de remonter un peu plus vite. Ouh là là. Purée, bah dis donc, je suis. Voilà, c'est bon. Je respire. Respire. Alors Frozenia, justement, c'est un PVP faction moins. C'est totalement gratuit pour y aller. Et il y a même. J'ai même une idée de faire une vidéo dessus. Il y a un mode solo dessus. Où il y a le mode Frozenia, donc on peut découvrir. Peut découvrir tous les. Tous les trucs de Frozenia, quoi. Non, 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 mais dis pas que ça. Voilà. Ça lag encore. Voilà, tac. Et donc ici, maintenant, je peux respirer. Donc. Justement, bah, c'est vrai qu'il y a. Le gravier, donc je vais peut-être descendre encore un peu. C'est juste une petite base histoire de mettre 2-3 coffres pour pouvoir stocker, hein. Rien de plus. Voilà, ça suffira largement. Donc on va commencer par se crafter une petite table de craft. Voilà, crafting table. Je vais la récupérer et donc je vais la poser. Je vais la poser ici. Dedans, on va faire un coffre. Ah, c'est bon, le système après là de bouger les pour placer les blocs, je trouve ça bon moyen. C'est toujours ça, c'est toujours mieux que s'il n'y en avait pas. Alors, ça, on va le mettre en 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et alors, on va mettre déjà ici notre premier coffre de la base. Dans lequel on va mettre toutes les potions là, hop, que j'ai reçu pour aller PVP.
Et ensuite, on va retourner aller ouvrir les box de vote. Faudra que je vous montre aussi, du coup, justement, la faction à laquelle je suis, ils ont commencé à faire une base. Je vais leur amener l'opsi parce que, bon, je suis sympa et je suis dans la faction, donc voilà. Faudrait que je vois si on peut vocal un peu à un moment. Je vais garder ça pour faire des torches. Water bucket, les TNT, la redstone. Ouais, il y a des trucs qui me... Ah bah tiens, une ruby sword. Épée en ruby, sharpness 2. C'est bien ça. Je prends direct, hop, ça ici. Et c'est parti. On va aller au spawn. Non, je vais aller aussi directement au workshop. Voilà, alors on va aller ouvrir nos 5 clés de vote qu'il reste. À chaque début de vidéo, je pense qu'on fera ça, on ira ouvrir nos petites clés de vote. Sauf que là, j'ai fait le premier aller-retour avec vous, mais je pense que les prochains allers-retours, je ne les montrerai plus. Alors, j'ai reçu un kit pilleur, encore une fois. Là, j'ai reçu le kit PVP encore, mais c'est pas possible. Alors, ça, je peux jeter. Ça, je peux jeter. Bon, les potions, par contre, là, je commence à en avoir un peu. Je vais me mettre une potion de speed dessus, voilà. Qu'est-ce que j'ai dans la main là? Ah, j'ai une potion de speed. Et ça, c'est une potion de fire résistant. Ça me servira pas. Je vais aller donc. Bah, c'est pénible quand même. J'ai encore eu un full rubis. Je vais les mettre dans mon under chest. Je devrais peut-être mettre un under chest à côté du warp chance. Alors, voilà, ici. Ah mince, parce que j'ai un truc dans la main. Voilà. Donc on va mettre... Bah au moins, si je perds mon full rubis que j'ai sur moi, j'en ai toujours un... J'en ai toujours un au cas où, à la base. Alors par contre, là, les potions, ça va être pénible de les trimballer. Les mettre à chaque fois, je pense que je les donnerai à la faction. Parce que... C'est pas ce qui va me servir le plus. Allez, c'est parti pour retourner voir chance. Mais le slash fmap, il me semble qu'il est pas activé. Je l'ai fait ça. Ah si, il est activé. Et bah, il faudra que je regarde pour... Justement pour la base que je devais voir. Alors, encore un kit pilleur, très bien. Voilà. Ah mais ça m'a encore rempli l'inventaire. J'en ai marre d'avoir l'inventaire rempli. Ah non, c'était pas un kit pire que j'ai reçu. J'ai reçu un kit. Attention. Kit explorateur. Donc j'ai reçu des enderperles. Des enderperles, un bateau. Des potions de speed. Deux, trois trucs qui ont dû tomber. J'ai encore eu un kit PVP. Qu'est-ce que je fais? Je vais jeter les potions, moi. Ah mince. Voilà, allez. Ah, il n'y a plus rien à prendre. Alors, non, non. Ah mince, j'ai jeté le casque encore. Ah mince, il a récupéré le casque. Bon, bah, tant pis. Ici, on a encore le plastron à récupérer. Je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un kit ingrédient. Faudrait vraiment que j'aille me vider mon équipement. Enfin bon. Ouais, parce que j'ai pas de quoi faire de... Si je fais des torches, ça va me faire un espace de plus disponible. Ah! C'est embêtant ça, les clés de doigts c'est bien, mais bon après quand on en a trop, ça ouvre. Là. J'en ai marre. C'est beaucoup. Voilà, ici, là. Hop. Là, pour déplacer les trucs comme ça, c'est hyper compliqué. Comme ça, allez, mais. C'est quoi là? Regardez, là. Je rajoute 4, ça fait 35. Bon, allez, c'est pas grave, tant pis. Les torches là, et ouais,
Et je vais refaire un aller-retour à la base, hein. J'ai pas mis de home. Mais quel boulet. Pas grave, heureusement que j'ai un home juste à côté. Pas grave, je vais faire une autre technique. Ah voilà, je casse. Ici, tac, voilà. Et donc ici, bah, va falloir encore que je mette un coffre. Attends, si je fais... Ah! Il va peut-être restart le warp. Fais un T slash mince. Ouais, non, c'est bon, de toute façon, j'ai fait un trou. Bon, bah, je restart pas. Cool. C'est pénible quand même, là, va falloir que... Bon, allez. Je vais miner cet arbre. Ah, c'est pénible quand même pour miner. Enfin, comment ça va? C'est moins gênant qu'à l'ouverture, là, quand on mine. C'est vrai que... Hop, voilà. Hop. Mince. Voilà, tac. Parfait, par contre dans un seul coffre je n'ai pas la place de tout mettre. Bah, je vais juste creuser un peu comme ça histoire de me faire une petite base là. Je vais peut-être creuser avec ma pelle, hein. J'ai une pelle efficacité 1, autant en profiter. Voilà, alors maintenant du coup on va faire une table de craft justement. C'est toute la terre là qui me prie. C'est pas stack. Et on va faire des coffres justement là. Hop, ça peut être une bonne idée. On va pouvoir faire deux coffres, je crois. Un coffre, tac. Bon, voilà, tac. Je vais enfin avoir, je vais avoir mon coffre ici, tac. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre ça dedans. Alors, hop. Ouais, 64 torches aussi, hein, je vais pouvoir mettre. Les potions, mais comment ça se fait que j'ai été viré de la faction? Dommage, j'avais une faction. Et à peine quand je trouve une faction, bah il me sort de la faction. Surtout que j'ai pas compris du tout pourquoi. Enfin... non, ça je garde. Ça, je vais mettre là. Le truc c'est qu'avec le kit PVP. On a vite l'inventaire plein. Ah j'ai quand même parti perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? Je pense que j'ai perdu 2-3 trucs. Je... Cette fois je joue cet homme à l'intérieur quand même. Hein. Je sais que c'est son arbre. Ah. Voilà, c'est bon. C'est parti. J'ai pas mis les underpearls, c'est pas très grave. On va retourner au warp. Chance. Et donc si je fais slash F home. Oui donc ouais j'ai bien pris ma faction, dommage. J'étais allé voir la base et tout, j'avais du charbon en plus. J'ai perdu mes clés de vote. Alors, soit j'ai dû toutes les ouvrir et j'ai totalement oublié, ou alors j'ai dû les jeter. Tant pis. Alors et bah du coup on va aller faire justement une base, hein, ça pourrait être utile.
J'essayais de rejoindre une faction aussi en même temps. Je trouve une fois que je suis à un endroit où je construis une base et si j'ai une faction ça peut être bien aussi. En retournant donc là j'ai trouvé un pillage. En fait c'était j'ai trouvé le spawner voilà qui c'était pas discret donc il y a des coffres avec des livres. Au passage aussi j'ai aussi rejoint la faction anti-run hacker. On est deux c'est cool. L'autre mec il est sympa donc du coup j'ai transféré tout ça dans la base. J'ai mis un petit peu aussi bon, je récupère une autre truc pas ouf. Et là en fait j'ai pas compris comment est-ce qu'il marche. J'ai pas compris comment marche leur interferme. Enfin du coup j'ai il me semble que j'ai un peu passé de loin. C'était pas déjà le truc le plus efficace au début. On va aller. Alors. Voilà, on va aller à la base. Donc l'autre membre de la faction s'appelle Arex. Voilà quoi ressemble à la base. C'est pas extrêmement. Alors, hop, je vais mettre. Déjà, ça c'est ce que il y avait dans le micro. Tac. Ça, c'est je vais garder un stock de charbon pour faire cuire mon fer. Hop, j'ai bien envie de faire péter une TNT là-bas. À voir. Alors déjà là, tac, je vais faire ça. Ça. Ah. Faire j'ai dit que je gardais. Alors là je teste ça de toute façon je vais le reposer. Hop. Ça. Ça. Et la poubelle maintenant. Un coffre. Ici, hop, je mets tout la moitié de ce que j'ai récupéré. Hein. Là, ensuite, on va avoir besoin d'autres coffres là, pour ranger tout ça. Donc, hop, voilà. Et on va retourner à l'intérieur de la base. Voilà. 5 secondes pour y aller. Voilà. Parce que moi, j'ai une Rubisword Chapless 2 et regardez là. Un seul autre coffre. Voilà, il y a des Rubisword. Ah, ils ont même une épée en mercure, oh, je le prends direct. Après, les trucs en diamant, je pense qu'on va leur laisser la couleur pareil. Jade cheval, je le prends. Le piston, c'est toujours utile pour les pillages, je pense. Des sauts, ça nous évitera de les crafter. De l'or. De l'obsi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez, charbon. C'est un peu si je veux crafter, il reste souvent les deux, on va prendre. La redstone, il y en a partout. La aller dans le nether des blaze rods ça c'est choix des plus extrêmes je prends des gold nuggets du fer des diamants alors ici maintenant qu'est ce qu'on a ici on a plein de livres intéressants Ben of Anthropod Death Strider Thorn Ben of Anthropod 5 Flame Thorn Thorn, Power, Main of Anthropod, Death Raider, Aqua Affinity, Black of the Sea, Black of the Sea, purée, donc vraiment des trucs de pur, et on a enterré plein ici, il me reste encore beaucoup de trucs à récupérer. Ça là, hop, je vais mettre ici. Voilà, il me restera encore 2-3 trucs à récupérer ici. Fer, je vais prendre. Fer aussi. Allez, c'est parti. On va retourner à la base. Ranger tout ça. C'est un bon pillage. Hein. Pour un début de version pas. Voilà.
Voilà, alors ici on a de la place pour mettre tous ces trucs que j'ai récupérés. Voilà, tac. Il me semble qu'il y a de l'obsidienne quelque part. Là, les épées comme ça, je pense que je vais lui dire ce que j'ai et puis on verra une fois qu'on sera tous les deux go parce que ça sera sûr. Hop, le pillage plus le minage, ça fait un sacré bon pactole. On reprend le pillage. C'est un pillage normal, hein, mais bon. Comme une épée en mercure, là, nous on a 0 mercure. Oui, les deux mercures que j'ai en début d'épisode, en fait, il me semble que j'ai le rec, mais après, je suis mort dans la lave. Qui est juste à côté. En allant voir, j'ai miné sous mes pieds, je suis tombé dans la lave. Voilà, oui, je suis. C'est pas très très intelligent. Voilà, quoi. Ah! Charles 2, bon, ça c'est ce qu'on a quitte. Il n'y a que nos mecs 2, machin, petit 2. C'est des. Et les plans en mercure, donc là et 16 obsidiennes. Ouais, ensuite on va retourner. Alors, donc là nous avons. Non, cette coque j'ai déjà fait. Ici de la TNT, une épée en jade, du flint, ouais, une émeraude, des panneaux, des barrières. Des gold nuggets encore, des torches, des restes de torches, un iron ore. Ok, parfait. Et bah, bien, il faut avoir 4. Et puis bon, après ça, je pense que il me semble que c'est tout. Hein. Hop, on va casser tout ça. Voilà. Alors, ici là-haut, bon. On ira bien se tuer 2-3 petits zombies. Truc c'est qu'ils disent rien en fait quand je les tape. C'est pas des pygmées normaux. J'en ai tué un. Je suis vraiment en train de le tuer. Allez, on va récupérer un peu de niveau en les tuant tous là. Ça va faire du bien. Ah, où est-ce qu'ils sont minces? Ah, ils ont été clear. Ah, plus du... ah, ouais, mais en plus, ça fait gagner des points d'expérience. Bah, regarde. Ah! Ce serait bête quand même qu'il me tue. Voilà, comme ça. Voilà comment est-ce que c'est censé marcher. Parc, normalement. Il y a des panneaux. Alors là, il y a déjà un panneau. Où est-ce qu'il n'y a pas de panneau? Ah, voilà. Donc là le problème, ah bah voilà, ça c'est parfait. Ouais, maintenant là je peux les tuer, parfait. Ah merde, et je gagne des dollars en plus en les tuant. Mon expérience et de l'argent. Et bah allez, bon, bah, je vous laisse hein, sur ça. J'espère que cet épisode sur ce
tenir vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Ménarol, salut.